C'est parti. Donc, un petit exercice ici sur les sauts de corde. Je donne toujours le titre en anglais parce que c'est intéressant pour aller chercher des vidéos, d'autres, un tutoriel quelconque sur Internet. C'est toujours en anglais. Donc, en anglais, c'est string skipping. String corde, skipping saut. Voilà. Donc, on va commencer le premier exercice, tout simplement, bien caler ta guitare. Hein, tu vois, bien la caler, bien placer sa paume. Hein, paume muting. Et on va attaquer la sixième corde vers le bas, à vide, et la cinquième corde. Et on va combiner ça sur des croches. Ok, on fait la même chose maintenant entre la cinquième et la quatrième corde. Idem entre la quatrième et la troisième. Troisième, deuxième. Et deuxième et première. Et l'idéal, c'est avec un peu d'exercice, il y a moyen d'arriver à ceci, c'est chaque fois faire une mesure sur chaque exercice. 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1 et alors raté. Alors, l'idéal, c'est d'arriver à le jouer vite, bien et sans regarder. Sans regarder, ça c'est dur. Hein. Au début, tu vas avoir du mal, hein, comme ceci. Voilà, mais tu ne sauras pas en une semaine le jouer comme ça. Mais si tu le joues déjà à cette vitesse-ci, je serai déjà content. Ok, exercice suivant, c'est la même chose, mais cette fois-ci, on va faire un saut de corde. Donc, on va attaquer la sixième et quatrième corde. Et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 4. Donc, dans le détail, 6 avec 4, 5 avec 3, 4 avec 2 et 3 avec 1. Ok, on continue. On va faire cette fois-ci maintenant un saut de deux cordes. Donc sixième corde avec la troisième. Ça ressemble à ceci. Puis 5, 2. Puis 4, 1. Hein, sauter trois cordes, donc sixième corde et deuxième corde, et puis il y a deux mouvements à travailler là-dedans, évidemment, cinquième corde et première. Ok, pour les sauts de cordes, c'est fini, tu peux arrêter.